C'est-à-dire mon petit-fils qui est là, il sera plus qu'un diplomate. Parce que son grand-père travaille à Matignon. Voici les parents. Je vous appelle à mon aide de papa, les hommes de Dieu, révérend, la servante, venez. Maman Mikal, vous avez vu la maman de Sarah aujourd'hui? Maman Mikal, viens. Papa, il n'y a pas. C'est à cause de toi, je rentre à Matignon, j'ai une fierté pour moi. Ou bien. Donc, chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Voilà, nous avons lu ce passage parce que tout ce que nous faisons va être basé sur les Écritures, les Écritures. On ne peut pas inventer des choses dans la maison de Dieu. On ne peut pas faire des rituels comme on le pense sous l'inspiration des hommes. Mais il faut que tout ce qu'on dit soit vraiment vérifié des Écritures. Donc dans ce passage, il est dit dans le chapitre 52, 2, verset 52, il est dit Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Alléluia. Si je faisais du marketing, j'allais dire que c'est un package. Il y a tout dedans. Alléluia. Il y a tout dans ce passage. Et Jésus lui-même, il a été présenté à Dieu. Jésus lui-même a été présenté à Dieu. Et dans la tradition donc de la parole de Dieu, tout enfant mal né est présenté à Dieu. Voilà. Et donc ce que nous faisons, il est public. Et nous voulons vraiment que cette présentation de cet enfant, il puisse bénéficier de ce que Dieu a bénéficié, Jésus a bénéficié, qui croissait. Déjà le mot croissance, ça veut tout dire. Mais on dit croissait au nom des aspects. Il croissait en sagesse, avec son intelligence. Il venait directement de Dieu. Alléluia. Il avait une intelligence qui venait directement de Dieu lui-même. Il croissait aussi en statut, c'est-à-dire qu'il était bien en forme, il se développait physiquement. Et il croissait aussi en grâce. Et dans le monde dans lequel nous sommes là, si tu as la sagesse, si tu as l'intelligence, si tu as, tu as la connaissance, si tu as la forme physique, tu n'as pas de grâce aussi, tu seras handicapé. Donc, on va prier pour que cet enfant ait la grâce partout où il va passer. En plus d'avoir la sagesse,
en plus d'être en bonne santé, de croître physiquement, biologiquement, qu'une grâce spéciale l'accompagne dans tous les domaines et partout où il sera. Et que cette grâce réjaillisse, non seulement sur sa vie, mais au-delà de sa vie. Alléluia. Comme le Seigneur l'a dit d'Abraham, je vais te bénir. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a dit, tu seras une source de bénédiction. C'est aussi la grâce. Alléluia. Nous allons prier. Bénissons ton nom Seigneur pour la grâce que tu nous fais encore ce matin de venir dans ta maison. Et tu voulais que Seigneur te présente en cet enfant pour que tu mettes au saut de le saut de ton esprit et le saut de ton sang pour éclairer son esprit, pour dissiper tout ce qui peut être ténèbres autour de lui. Pour répandre une grâce spéciale sur sa vie. Père, nous prions que, comme en ton temps, tu croissais en sagesse, en statut et en grâce, que cet enfant puisse croître en sagesse, la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse divine, que cet enfant puisse croître en statut, qu'il soit en bonne santé, que toute infirmité, toute maladie, toute œuvre des ténèbres, ton famille, soit réduit en ayant dans le nom de Jésus. Que ton sang soit sur sa vie. Père, nous prions que cet enfant soit rempli de grâce. Que partout où il passera, la grâce accompagne Ariel. Et puis, que partout où il sera, qu'une grâce spéciale soit déversée pour lui. Et que là où les portes sont fermées, qu'il puisse, Seigneur, avoir une grâce spéciale. Que là où les écluses sont fermées pour lui, il y ait une grâce spéciale. Que là où Père éternel, il y ait l'impossibilité, que pour lui, il y ait une grâce spéciale. Que ta main, Seigneur, soit sur sa vie, de maintenant jusqu'à toujours. Et que Père, qu'il soit là, et que toi seul sois glorifié. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Te dire merci. Nous te sommes reconnaissants parce que c'est un temps marqué. Un temps où tu veux communiquer ta grandeur au monde entier. Béni sois-tu pour tes serviteurs, béni sois-tu pour tes enfants qui ont répondu présent à ton invitation solennelle. Notre âme te loue et te bénit. Père, c'est toi qui as mandaté ta servante, humble servante que je suis. Je viens prophétiser sur la vie de tout un chacun. Je viens attacher tous les poissons, les petits poissons qui sont avec eux. Tous ceux qui sont en train de faire des ruses, des stratégies pour que ton peuple soit encore en captivité et que ton peuple ne reçoive pas la vie qui vient de toi. Tu as donner l'autorité de ramener le pharaon et le crocodile en dehors du fleuve. Maintenant, Père, j'appelle les animaux du ciel,
les animaux de pas sur la terre de venir et de ronger tout crocodile qui menace tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Je communique la vie dans leur santé, la vie matérielle. Que le feu du Saint-Esprit les consume à l'instant même dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je prophétise que votre Rédempteur est vivant. Amen. Je déclare et je prophétise que celui qui se lève contre toi, le pharaon qui se lève contre toi, qui est en train de faire du mal à ton âme, à ton corps, à ta santé physique, à tes projets, qu'il capitule maintenant et sans délai dans le nom puissant de Jésus. Recevez la vie en Jésus. La mission continue. Soyez de ceux qui se lèvent pour proclamer Christ dans les nations. Selon l'Apocalypse 22, 2, allez implanter l'arbre de vie dans les nations. Car lorsqu'il étend ses bras, il apporte des remèdes aux nations. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. We'll be right back.